Bonjour, dans cette vidéo, vous allez apprendre à mémoriser les relations trigonométriques. J'écris les trois relations trigonométriques que l'on peut trouver dans n'importe quel cours. Ce n'est pas forcément d'une manière très rigoureuse, mais ça nous suffira pour voir comment les mémoriser. Regardez, je vais souligner la première lettre de cosinus, le C. Je souligne la première lettre du côté adjacent. Ça me donne un A. C'est divisé par l'hypoténuse. Je retiens juste le H. Et je vais faire exactement la même chose avec le sinus. Sinus commence par un S. C'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Et je termine par la tangente. J'ai un T opposé. J'ai un O sur adjacent. J'ai un A. Voilà, si je sépare ça, j'ai donc mes trois relations trigonométriques qui sont résumées en 9 lettres. Et si je le prononce un tout petit peu sans aucune délicatesse, on pourrait entendre quasiment « casse-toi ». En clair, « casse-toi ». C'est un moyen comme un autre de les mémoriser et c'est souvent très efficace.